Salut à tous les amis, c'est Zalicus et aujourd'hui on se retrouve sur le ZP. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai deux armes à la main et ça n'est pas pour rien, je suis passé en snapshot sur le ZP. Et j'avais record un épisode, malheureusement j'ai eu un problème avec les FPS pendant l'épisode. Et du coup, bah j'ai décidé de refaire un épisode à la place. C'est pas grave, vous avez pas raté grand-chose, je vais vous faire un petit résumé. Alors, j'ai commencé par me faire une salle d'enchante. J'ai pas fait la déco encore, tout va changer, je vais finalement enlever les arbres, parce que je suis pas du tout convaincu. Donc je me suis enchanté une petite épée en diam, c'est parce que mon épée en fer, vous voyez, elle était morte. Et j'ai eu dessus Looting 2 et Bane of Arthropod 3, c'est pas dégueulasse. J'avais été miné pas mal, c'est pour ça que je me suis permis d'en faire une. D'ailleurs, il faudrait que je me refasse une pioche, une pelle et une hache. On va tout se refaire. Hop. J'ai du bois. On va s'enchanter un petit peu. On va se faire tout ça. Allez, hop. Hop. Tac et tac. Donc, une pioche, une pelle déjà. Une pioche, une pelle. Et du coup, je suis avec un ressource pack Faithful parce que le mien n'est pas à jour pour la 1.9. Je vais choper du lapis. Lapis-lazuli. Hop. Donc j'espère ne pas avoir de problème de FPS. Là, je suis à 276 alors que je tournais aux alentours de 40 et j'avais essayé de record avec. Alors là il faut savoir que je record moi avec OBS et qu'est-ce que je. Oh, une pioche fortune. Fortune 1, ça c'est pas mal. Je vais voir si je pourrais pas les fusionner d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant. 7. 9. Moins cher dans ce sens-là. Ben voilà, fortune 1, efficiency 2, unbreaking 1, ça c'est pas dégueu. La pelle. Ouais. Ouais, bon la hache, efficiency 1, ce sera très bien. Et la pelle. Allez, ben, la pelle, on va faire du efficiency 2. Voilà, ce sera très bien. Donc j'avais essayé d'enregistrer, moi genre là, comme cet épisode-là et tous les précédents, j'enregistre avec OBS. Et j'avais essayé avec OBS multiplateforme parce qu'il a l'avantage de pouvoir séparer les pistes audio. Il faut savoir, j'avais vraiment besoin de séparer les pistes audio parce que parfois le son du jeu est trop fort ou pas assez fort. Et malheureusement, alors je sais pas si ça vient d'OBS multiplateforme, faudra peut-être que je vérifie mes réglages ou autre. Mais voilà. Je sais pas si ça venait de ça, en tout cas j'avais des gros problèmes de FPS alors que là je le n'en ai pas. Voilà. Alors, j'ai terminé la ferme à PNJ, du coup je vais tout remontrer. J'ai fait un sas pour protéger au cas où il s'en aille. Ici donc on a le villageois, j'ai tradé un petit peu avec lui rapidement. On a donc nos deux villageois, le fermier, il a rempli le champ de carottes. J'ai un petit peu boosté avec de la bonne mille au début, et on a déjà eu, si on va ici, vous allez voir, est-ce qu'on le voit là? Non. Ah. Allez! Eh. Voilà. Hop, ici, on a déjà un bébé. Voilà, qui devrait pas tarder à grandir, donc ça fonctionne. La ferme est fonctionnelle, donc ça c'est vraiment cool. Je vais pouvoir repartir miner, moi, du coup, avec cette pioche fortune. Ah. Et donc voilà grosso modo ce que j'avais fait dans le précédent épisode. J'avais donc rapidement avancé là-dessus. J'avais avancé sur. Ah putain d'ailleurs c'est vrai que ça du coup ça y est plus. C'est dans quoi déjà? Pas du tout. C'est ça. Ah bah si crosshair. Ah oui mais. Non, ça ne fonctionne pas. Ok, c'est peut-être vis-à-vis du ressource pack qui n'est peut-être pas à jour. Ici, j'ai un petit peu terraformé. Il y avait des lacs d'eau un petit peu partout. J'ai commencé à virer un petit peu tout ce machin. Et puis voilà, grosso modo. Donc du coup, il faudra que j'enlève ça hors caméra. Et aujourd'hui, hop, on va essayer de s'attaquer. Je sais qu'il me manque un chunk à slime pour pouvoir arriver à faire de la redstone un petit peu plus correctement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas encore, le chunk à slime, avec un système pour le tuer automatiquement, etc. Mais le problème d'un chunk à slime, c'est que là, il faudrait déjà que j'ouvre le site pour trouver où sont les chunk à slime, etc., etc. Et ça va être un peu chiant.
Il va falloir que je le creuse, etc. Donc peut-être que je le creuserai avec vous, ou au moins que je vous montrerai le système pour les tuer, les récolter, etc. Et du coup, vu que j'avais fait le contenu du précédent épisode, j'ai pas du tout réfléchi à celui-ci. D'ailleurs, je vais aller tuer les vaches après. Et du coup, il va falloir que je trouve très vite quoi faire. Le temps que j'aille tuer les vaches, bon évidemment, hein, on tue les vaches avec. Alors vous voyez que là, on a les attaques un petit peu de zone qui font reculer. C'est pour ça qu'elles sautent toutes en même temps. Ça fait partie de l'1.9. En plus, c'est bien, j'ai l'épée looting, je vais me faire masse de bouffe. Dommage qu'elle ait pas Fire Aspect, ça m'aurait tellement bien mis ce truc-là. Alors, ah, j'ai eu. Oh! Ouais, ça va. Pas mal de cuir en plus. Mais je devais en avoir probablement sûrement avant, vu que j'avais fait la. La salle d'enchante. Donc, on commence à être pas mal installé, mine de rien. On a la salle d'enchante, on a la salle à potions, on commence à être pas mal, donc il manque vraiment bon la ferme à faire, ça il va falloir attendre que les villageois se reproduisent pas mal. Faudrait que je vide mon inventaire aussi un jour, moi. D'ailleurs ça va rester là. Ça c'est de la bouffe, hop, on va la foutre à cuire, voilà, très bien. Un petit peu d'iron. Voilà, je vais pas commencer à faire tout mon tri, hein. Juste virer un petit peu de trucs. Et de la cobble que j'ai plus qu'en rab. Voilà, ça fera un petit peu de vide. Donc voilà, j'ai été pas mal miné, donc j'ai ramené un petit peu de diamant. Oui, j'ai réussi à avoir de l'émeraude avec les villageois, j'ai ramené un petit peu de diamant, du fer. De la redstone, beaucoup de redstone, c'est pour ça que je vous disais justement que j'allais avoir besoin de slime ball pour pouvoir commencer les circuits très bientôt. Hop. Enfin les circuits en redstone, hein. Pas de circuit imprimé, je ne suis pas sous-modé. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette snapshot? Il y a pas mal de trucs, on a des ailes. Alors je peux pas les montrer parce que je suis pas en créatif, mais il y a des ailes. Et il y a les bateaux de toutes les couleurs, et les bateaux se cassaient pas d'ailleurs dans la snapshot A, et là on est en snapshot B, ils se cassent de nouveau correctement. Mais les ailes, pour les avoir, normalement elles sont trouvables. Alors, je ne sais pas si elles sont trouvables dans cette snapshot ou dans les prochaines, c'est pour ça que je vais pas les explorer tout de suite, mais ça pourrait être un objectif. Les ailes servent en fait juste de glider, c'est-à-dire qu'on ne s'envole pas, c'est juste pour planer en fait. Mais c'est toujours sympa. Par contre, il y a les boucliers, et ça j'aimerais bien en avoir un. Le truc c'est que je me rappelle plus comment on fait le bouclier. Alors est-ce que c'est un truc comme ça? Pas du tout. Est-ce que c'est un truc comme ça? Pas du tout. Peut-être dans ce sens-là. Pas du tout. D'accord, très bien, je ne sais plus comment on fait un bouclier. C'est un peu con. C'est même très con. Je vais rapidement aller voir sur le net. Hop. Oups. Voilà, pour avoir un petit bouclier, et je pense qu'on le personnalisera avec un. Ah oui, c'est comme ça. Tac. Voilà, on a un shield. Voilà. Vous voyez. Hop. Le skin est assez sympa. Donc on peut le garder donc dans la main secondaire, c'est ce qui sert à parer, et ça va être vraiment sympa. Et on peut appliquer dessus une bannière. Donc là j'ai pas encore de bannière, mais je devrais pouvoir en avoir une bientôt. J'en ferai de toute façon avec des armor stand, j'ai encore plein de trucs à faire. Et du coup ça va être vraiment bien parce que du coup on va pouvoir se faire plaisir. Je vais rapidement aller voir. Tant que j'y suis, hein, on va regarder ça. Pour les ailes, je suis curieux, c'est je sais pas du tout. 1.9. Voilà, je suis sur le net, hein, en même temps, je regarde. C'est vis-à-vis de des ailes. Ah oui, il y a aussi plein de nouveaux trucs avec la bouffe. Maintenant, la bouffe est vachement importante.
Donc ça c'est vraiment cool. On va pouvoir, on a de la régène avec la bouffe, etc. Alors je vais essayer de vous montrer ça, vous allez voir. Donc là vous voyez que j'ai pas de saturation, je puise directement sur ma bouffe. Et si je prends des dégâts, alors je vais essayer de monter assez haut quand même pour vous montrer ça. Voilà. Donc là je prends des dégâts. Et vous allez voir que je ne vais pas régène. Ce qui est normal jusque-là. Je mange. Et là vous voyez. Ah ouais, mais ah, il manquait pas cette bouffe. Mais vous voyez, j'ai régène là très vite. Et c'est assez compliqué à expliquer, mais il y a pas mal de trucs assez sympas vis-à-vis de la bouffe maintenant. Il y a un système de même quand on est on n'a que 2 cœurs, quand on mange, ça redonne de la vie. Et du coup, la bouffe la plus importante maintenant, ce sont les carottes dorées. Ce sont les carottes dorées, et ça c'est vraiment sympa parce que les carottes dorées sont assez faciles à faire et assez peu coûteuses en soi, donc il faudra peut-être se faire une usine à carottes dorées. Est-ce que j'ai du bois d'une autre couleur? J'ai que du oak. Non. Mais bon, on va se faire un petit bateau pour vous montrer un petit peu le nouveau bateau. Ah, c'est pas comme ça les bateaux? Qu'est-ce que... Ah. Ah. Le craft du bateau a changé apparemment. Parce que là, je peux pas faire de bateau. Ah. Alors ça, c'est con. Je voulais faire un bateau justement pour vous montrer le nouveau. Ah, il faut... Ah, ok. Ok. Je viens de voir. Ok. Heureusement que j'ai encore le wiki ouvert à côté parce que... Alors apparemment, il faudrait une shovel et mettre la shovel et voilà. Et là on obtient un oak boat. Vous allez voir, ils sont vraiment sympas. Hop. On pose le bateau et là on a des petites rames. Et alors je vais mettre en double F5. C'est juste en F5 normal. Vous voyez que... Alors, c'est... Je ne sais pas pourquoi... Ah, ok. Oh mon dieu, c'est quoi ces... Ah, d'accord. Alors maintenant, pour avancer, c'est plus Z ou quoi. C'est avec juste Q et D. Et, bon, l'animation est un chouïa buggée. Et alors, ils sont vachement lents, en plus. Mais vous voyez, c'est assez sympa. Ils sont vraiment sympas. Ça donne un petit côté plus réaliste à Minecraft. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, par contre, ils sont vraiment horribles à conduire. J'espère juste que ça, ce sera très vite changé. Donc, il faudra peut-être se faire un petit port. Hein. Ok, juste, hop, sortir du F5. Donc voilà, on a les nouveaux bateaux. Et à savoir qu'ils sont disponibles dans toutes les couleurs. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Ça c'est vraiment excellent. J'adore ce truc-là. Je vais rapidement essayer de regarder ces dans cette snapshot-là. Voilà, donc on a les hang gliders. Ça a de la durabilité, tiens, ça je savais pas. You don't resize, still resize full damage, blablabla, different kind of boat. Mais y a pas marqué, y a pas marqué comment les avoir, c'est ça qui est con. C'est très très con. Ok, bon. C'est pas grave. Tant pis. Je voulais essayer de voir si on pouvait les trouver dans la nature maintenant. C'est peut-être dans l'aine de remarque qu'on les trouve, Donc on verra. Par contre, ce que j'aimerais justement, moi, c'est bientôt aller dans l'End. Donc on va essayer de voir si on peut trouver des Endermen. Sachant que les Blaze Rods ne sont pas réellement un problème. Hein. On a la forteresse. Donc on va essayer de trouver rapidement quelques petits Endermen. J'ai toujours du stuff. Ouais, c'est pas le must en stuff, mais bon. Où est-ce qu'il y a... Si, ouais, il y avait une étendue de sable. Ah, il aurait fallu que je fasse un portail du Nether dans le désert.
Parce que le désert est vraiment le meilleur endroit pour farmer les Endermen. Et que là, du coup, ça va être un peu le bordel. Ah oui, il y a aussi, bah, évidemment, la nouvelle animation des squelettes. Qui sont assez violents, d'ailleurs. Oh là là. Vous voyez qu'ils sont assez violents. Parce qu'en plus, maintenant, ils se déplacent, ces enfoirés. Oh là là, mais du calme. Oh. Ah oui, mais... Naha! Ah. Tu ne peux... What? Mais what? Oh, bon, il me fait chier. Hop, donc vous voyez, le bouclier est réellement utile, hein. Par contre, il se bouffe, mais ultra vite. Ça, c'est un problème du bouclier. Vous voyez que... attendez, est-ce que si je fais ça... Voilà, vous voyez que la durabilité en bas, bah, elle est déjà bien bouffée, quoi. Donc c'est assez chiant. Enfin, c'est chiant. C'est très pratique, mais voilà, il se bouffe très très vite. Donc oui, en fait, moi je voulais voir s'il n'y avait pas d'Enderman dans le coin. Oh. D'accord. Comment ça se fait? Bon. J'avais quand même mis trois coups. Après, j'ai pas de sharpness, c'est vrai que c'est peut-être ça aussi. Bref. Alors. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas mon retour, donc du coup, je sais pas du tout. C'est le temps que je tourne. Mais. Ah, mais c'est vrai qu'il faut plus les spammer. Ah, ça va être un coup à prendre, hein. Alors, une seconde. Hop, je mets juste mon retour. Voilà. Comme ça, au moins, je sais à combien de temps j'en suis dans l'épisode. Alors à savoir maintenant que l'épée, la pioche, tout ça ont une valeur d'attaque qui est définie, ainsi que un temps de recharge. Donc certaines armes sont plus pratiques que d'autres. Et plus rapide, plus pratique, etc. Alors là, voilà, vous voyez que ma vie se recharge assez vite parce que j'ai pas mal de saturation. Et en fait, au début, au lieu de consommer pour la régène, au lieu de consommer ma bouffe directement, ça va consommer ma saturation. C'est assez spécial. J'avais trouvé un schéma sur le net qui l'expliquait très bien, mais c'était assez compliqué. Voilà. Je regarde rapidement voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant quand même. Hein. Petite montagne en pierre. Voyons voir. Ah oui, très bien, oui. J'en ai reçu combien là? Ouais. Ouais. Pas sans sas en fait, je pensais que ça m'aurait donné un petit peu plus qu'un petit fortune 2, mais bon. Là-bas, ça pourrait être intéressant pour les Endermen. Allez, on va essayer. Ah ouais, trois coups, non, c'est bon. C'est bien revenu, c'est juste moi qui spammais comme un tardos. Ici, bon, c'est un petit peu, hein. C'est l'aspect du combat, donc ça fait débat. Moi personnellement, je trouve ça très bien parce qu'avant c'était juste en gros du spam click. Il y en avait qui utilisaient des macros pour cliquer comme des tardos en PvP et ça cassait vraiment le truc. Là au moins, bah, si tu cliques comme un tardos, comme ça, bah tu tapes rien, tu tapes quasiment rien et ça c'est bien. Moi je trouve ça très bien. Alors là, il y a plein de petits lapinous. On en a vers chez nous normalement, donc ça c'est pas mal. Oui, j'ai le bouclier équipé, mais c'est vrai que je pars pas avec. J'ai jamais trop pris l'habitude de parer. Alors là c'est cool, on en a un, mais par contre avant on va tuer cette saleté. Voilà, parce que ça sinon ça va nous emmerder. Alors oui, les zombies aussi hein, font du put your hands up in the air. Voilà, tombé dans le trou. Très bien, merci. Ah, oh, mais c'est pas vrai qu'ils vont m'emmerder, eux.
Oh oui, quoi. Les squelettes nous en foutent quand même plein la gueule. J'aimerais tuer l'Enderman, s'il vous plaît. Voilà, lui il est mort. Allez, toi casse-toi, merci. On va manger. J'ai vu un autre Enderman aussi. On va commencer par celui-là, hein. Alors c'est clair que mon épée là, elle est pas du tout optimisée, hein. Mais bon. Mais bon, mais bon. Donc il y en avait un autre par là. J'ai perdu de vue. Ah. Dommage. Nouvelle chose aussi. Attends. Les collisions entre les animaux, regardez, ils peuvent nous repousser. Donc là, j'appuie sur Z et je relâche et le mouton me repousse. Les collisions entre les joueurs ont été remises. Alors ça, c'est excellent. Ah, bah, c'est un petit peu de charbon. On en manque toujours. Ah! Ah non! Alors les squelettes deviennent vos pires ennemis. Hein. Voilà, savoir qu'on peut aussi maintenant leur renvoyer leurs flèches parce que le bouclier renvoie les projectiles. Et ça, c'est bien. Donc il y a pas mal, il y a eu pas mal de nouveautés, mais à chaque fois ça n'a pas été ce qu'il y avait de plus notable non plus. Donc, merci. Là-bas il y a de la lumière. Ah oui, mais c'était ma première île, ça. C'était ma toute première île. Oula, on en a 22 minutes. Ok, je vais repartir juste sur ma première île. Je vois qu'il y a de la canne à sucre, je vais aller la récupérer. Et donc voilà. J'espère juste que l'épisode là ce coup-ci n'aura pas eu de problème de FPS. Et que le passage en snapshot vous fait plaisir. J'ai hâte d'aller découvrir l'end, moi. J'ai vraiment hâte. Parce que là, il y a pas mal de trucs. Si on peut arriver à trouver des ailes, ça pourrait être tellement mieux. Récupérer tout ça. Voilà. Ah bah si, je vais pouvoir vous montrer les bateaux là rapidement. Allez. On a un peu de temps, on va pouvoir regarder ça. Donc on va les faire en pitch, please. Voilà. Donc, on commence par la table de craft. Parce que on n'en a pas. On fait donc la fameuse pelle. Je reviens là. Tac. Et ensuite la pelle. Le birchwood. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je l'ai pas fait en birch? Peut-être qu'il faut le faire en birch? Wooden shovel. Bah non. Bah alors? Ça n'a pas encore été implanté les autres? What the? Non. Bon, ok. Bah désolé, du coup, moi je pensais que c'était implanté les crabes, vu que c'était implanté pour un, mais apparemment pas pour tous. C'est pas grave. Allez les amis, en tout cas, c'est pas grave. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je vais sûrement essayer de voir pour faire le chunk à slime. Comme ça, on pourra commencer à faire des petits circuits de redstone assez intéressants. Allez, donne-moi ta patte. Nah, t'es nul. Donc voilà. Allez les amis, rendez-vous dans le prochain épisode et jusque-là, portez-vous bien. Salut, salut.